Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe par pain, grosse cette crasse. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve, ça faisait longtemps. Et ouais, vous allez dire Toto, t'as la tête fatiguée. Et ouais les gars, ça faisait longtemps, ça faisait une petite semaine que j'avais pas fait une vidéo. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un 107 kills à la MP11. Full énervé, full objectif, tout ce que tu veux, gros score streak. Une MP11 bien sûr qui n'est pas la Goliath, parce que je n'ai toujours pas eu la MP11 Goliath dans le colis. Mais alors je vous dis, quand je vais la débloquer, ça va faire mal. Parce que déjà avec la MP11 classique, ça fait mal. Franchement, grosse partie, grosse game, bien énervé. Alors vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux et tout à me dire, tonton, tu es passé où? Qu'est-ce que tu fais? Alors je vous avoue que j'ai passé une semaine assez hardcore. Et j'ai des grosses cernes, enfin, bref, j'ai une tête dans le cul, violent quoi. Fait. Et ben, je suis venu, je vous fais cette petite vidéo pour vous informer un petit peu de ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai été convoqué à ma boîte d'intérim pour faire en fait des tests et tout ça. Et en fait, j'ai travaillé une semaine et j'ai travaillé une semaine de nuit et franchement, ça m'a déboîté. J'ai déconnecté tout le monde, Facebook, Twitter, YouTube, tout. Call of, j'ai même pas, pour vous dire, j'ai même pas essayé. Apparemment, le pack de cartes est sorti sur PS4, je ne l'ai même pas essayé encore. Là aujourd'hui, j'ai dormi hier et tout, je vous fais la vidéo pour mercredi, je me suis dit bon, je vais me remettre petit à petit dans le Call of un peu. Bref, tout ça pour vous dire que je travaille dans une usine préparation pharmaceutique, et c'était des horaires de nuit, 22h, 6h du matin. Et je peux vous dire que c'était hardcore. Franchement, des coups de barre violents, il m'arrivait à 4h du matin, je me suis dit ouais, j'étais fracassé, je rentrais chez moi, j'étais fracassé. Ça fait très longtemps que j'avais pas travaillé et franchement ça m'a fait du bien. Oui et non, mais honnêtement ces horaires là j'ai arrêté. En fait c'est moi qui ai décidé d'arrêter le contrat. Vous allez dire attends, t'es bête, faut pas refuser le travail. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, ça m'a chamboulé totalement on va dire mes habitudes, tout quoi, tu vois, l'habitude de se. Bon, j'avais l'habitude de me coucher tard, tu vois. Genre quand je joue à la console et tout. Mais là, franchement, d'attaquer une journée à 22h quand t'es levé depuis genre 10-11h du matin, tu sais qu'à 22h tu vas travailler jusqu'à 6h. Après, à 6h tu sors, t'es mort. Franchement, c'était pas facile. Vraiment, j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme. Et honnêtement, c'est moi qui ai arrêté parce que si je vous dis la paye, travailler 22h, 6h du matin pour 1 100 euros alors que là je suis au chômage, tous plus que ça. Honnêtement, je sais pas que je suis le feignant, mais je me suis dit non, tonton, il mérite pas d'avoir des horaires comme ça. Parce que ça me casse tout, tu vois, ça me casse mes habitudes et tout. En plus, entre temps, j'ai eu une petite chérie et tout, au passage et tout. Franchement, impossible. Enfin, j'allais l'avoir en journée, le soir, j'allais travailler, j'étais mort. Enfin, bref, c'était un peu le bordel. Et honnêtement, j'ai décidé de reprendre ma. Quand je reprends ma vie en main, vous allez dire, attends, toi, tu te remets au chômage, c'est pas reprendre ta vie en main. Mais en fait, si. C'est pas que je me mets au chômage, mais c'est que, en fait, non, j'attends de trouver des horaires, on va dire, plutôt corrects, quoi, tu vois, histoire que je puisse continuer mon aventure YouTube. Voilà, voir mes amis IRL, parce que quand tu fais 22h, 6h, tu rentres à 6h du matin, les gens ils travaillent la journée, toi tu dors, tu te lèves à l'après-midi, tu fais rien, le soir tu veux sortir un peu, ben tu peux pas parce que tu dois aller travailler. Franchement, non, c'était horrible pour moi. Voilà, en tout cas, j'espère que ce gameplay vous plaira, les gars, gros gameplay agressif à la MP11, ça fait plaisir. J'ai hâte de tester les nouvelles cartes, je les ai toujours pas testées. Je pense que d'ici ce soir, je vais bien les roder, je vais tester un petit peu le mode zombie aussi. Voilà, après sinon je voulais vous faire part un petit peu. Je vous avoue que j'étais fatigué beaucoup cette semaine et j'étais un peu déçu des résultats de mes dernières vidéos. Bah après vous allez dire ouais, attends, tu marronnes encore. Non, c'est pas une question de marronner, mais quand je vois que la vidéo TNA au morse, au sniper morse, elle a fait 4000 vues. En presque 10 jours, c'est. Vous allez me dire, ouais, tonton, les vues, c'est bon, machin. Non, mais c'est quand même. Tu vois, ça fane un peu quand même, parce que tu te dis que, voilà,
c'est des vidéos, tu fais des vidéos qui sont pas vues et franchement ça me stresse un peu, je comprends pas pourquoi, je veux dire j'ai quand même de la bonne humeur, j'ai du sourire, voilà, je suis quelqu'un de, je veux dire, j'ai la patate, tout ça, et je vois, je suis pas bête les gars, vous allez me dire mais non, parce qu'après je sais que les vrais, ils vont me dire mais tonton, tu continues, tout ça, je sais, je suis habitué, tu vois, ce genre de discours, je vous kiffe, hein. Franchement les vrais machins, il n'y a pas photo, je peux rien vous dire les gars. Mais aujourd'hui, je vous avoue, ben, un petit tonton un petit peu avec un petit coup de boue quand même, tu vois, poussé la semaine de travail, fatigué et tout. Et tu vois, je regardais plus trop YouTube, mais je regardais d'un œil, tu vois, quand même. Et je voyais que ma vidéo, elle faisait 3000 vues, quoi, tu vois, DNA en morse, 3000 vues, alors que j'ai pinaillé comme un enculé pour la faire. Bref, il y a eu ça. Et tu vois, hier, je me suis un peu attardé sur les statistiques de ma chaîne et tout. Quand je vois que, ben, par exemple, jusqu'à janvier, je faisais plus de 120 000 vues par mois. Là, je retombe à 60 000, ça veut dire la moitié. Donc, ça veut dire que j'ai perdu la moitié de mon public qui regarde mes vidéos. Je vous avoue que ça casse un petit peu le délire, tu vois. Enfin, après, tu fais des vidéos presque. C'est pas que j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai envie d'en faire, mais tu vois, quand il n'y a pas trop de résultats et tout, au bout d'un moment, ça te remet la patate. Après, je dis pas au niveau des likes et tout, vous avez été présents, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, voilà, tonton, il va pas vous faire tous les jours des vidéos, tu vois, où il a la patate et tout. Ouais, je suis pas fatigué ou quoi, ça va, tu vois, je suis correct. Mais tu vois, ça me fait un peu chier, quoi. Tu te fais chier à faire des putains de fucking gameplay, machin. Et au final, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils en ont rien à kicker des gameplays. Après, je pense que je vais faire comme certains youtubeurs, tu vois, qui font du 40 pour 25. Ils vous mettent ça et ils racontent leur life. Ça, apparemment, ça fait plus. Tu vois, après, moi je dis pas que je suis un excellent joueur perf, mais je me fais chier à jouer, à faire des performances, à vous faire des DNA avec toutes les armes et tout. Et au final, c'est des vidéos qui sont vues que 3-4 000 vues, quoi, tu vois. Ça, franchement, ça fout le seum, quoi. Après, c'est pas une question de jalousie, quoi, tu vois, mais quand tu vois que des youtubeurs, des grands youtubeurs, ils sortent juste un gameplay snipe bidon ou. Un gameplay à la RX ou machin, parce qu'il faut genre 3 de ratio, et ils te tapent du 200 000 vues, 500 000 vues. Mon gars, franchement, ça met beaucoup moral, quoi. Tu te dis, mais pourquoi, quoi, ça sert que tu continues. Et après, c'est vrai, j'ai parlé avec des abonnés, il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, tonton, c'est la perte, ça marche plus trop et tout. Ouais, mais les gars, rappelez-vous, à la base, les gars, la base de chez base, YouTube, tu vois, c'est. Je vais dire, tonton, tu nous fais une leçon, mais c'est pas une leçon, mais c'est mon point de vue, tu vois. J'avais besoin d'en parler dans cette vidéo et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que à la base, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont oublié que YouTube, à la base, être YouTuber de Call of Duty, c'est montrer du Call of Duty, tu vois. Après, il y a eu un effet de mode, je raconte ma life, mes premières prisons, ma première fille que j'ai baisée, ma première si, ma première branlette. Tu vois, il y a eu des trucs comme ça. Mais à la base, les gars, il faut savoir un truc, c'est que YouTube et le jeu vidéo, c'est quoi la première passion numéro 1? C'est montrer son jeu. Son gameplay, d'accord. Et là, tu vois, j'ai envie de vous dire, ben les gars, si franchement vous êtes sur ma chaîne pour, ben pas forcément pour le gameplay, ben j'ai envie de vous dire, franchement, voilà, il y aura toujours du gameplay sur ma chaîne. Et là, je vous dis franchement, je prends un petit coup moral en ce moment, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent sur YouTube et tout, et je trouve que beaucoup de gens ont perdu les valeurs sur YouTube. C'est voilà, la base, c'est montrer son jeu, tu vois. YouTube, les premiers youtubeurs, quand ils sont sortis, c'est quoi, ils filmaient leur partie et ils expliquaient déjà leur partie. Donc déjà on fait un effort, tu vois, de vous raconter un peu notre vie, notre ci, notre là. Ça paye plus, alors je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être se mettre à poil sur la facecam pour que ça marche, tu vois, j'en sais plus, mais franchement. Bref, petit coup de nerf, c'est rien les gars, vous savez, tonton, vous avez l'habitude, c'est. Une fois par mois il a son petit coup de. Un peu énervé, mais ouais, même énervé, j'ai le sourire quand même, tu vois. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais il y a un truc qui commence à me stresser, ça me stresse. Ça, tu vois, là je fais 107 kills, machin, tout le monde va s'en battre les couilles, quoi. Mais vas-y, mon gars, fais 107 kills, vas-y, franchement, vas-y. Fais-le à la MPO, tout seul, en solo, comme ça. Avec mode objectif payeur à mort, défendre le drapeau et tout. Faites-le. Ah, la perte, ça vaut plus rien, à ce qui paraît, mais faites-le, y'a pas de soucis. La prochaine fois, je vous raconterai pourquoi pas ma première rentrée des classes, quand ma femme a accouché. Peut-être que là, ce sera des vidéos qui vont faire 600 000 vues, tu vois, peut-être qui vont faire débloquer YouTube. Même au niveau des abonnements, tu vois, j'ai l'impression que. Je sais pas.
y a plus, ça va plus, je sais pas, c'est peut-être le moment que je ferme ma chaîne, je crois, en fait, je sais pas. Donc, franchement, gros coup moral aujourd'hui. Et mais je le prends même avec le sourire, tu vois, parce que je me dis peut-être que c'est la fin, tu vois, il faut que j'arrête, parce que apparemment, mes vidéos font plus rien, font plus de vues, font plus, bon, je sais pas. Ça me fait chier, parce que voilà, j'ai des abonnés que je kiffe bien et tout, et ça me fait chier quand même. Bref, aujourd'hui, c'était un petit coup de blues. Mais c'est rien les gars, ne vous inquiétez pas, Tonton, vous savez que quand il revient, après il revient en grande forme et en force. Donc voilà, 107 pour 12 les gars, gros massacre. Mais bien évidemment, c'est pas grave, on s'en bat les couilles du gameplay. Bref, sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos présentes si vous avez raté. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous et je pense vous faire une vidéo pour samedi. Sur ce, bonne semaine à tous et ciao les gars.